Ils sont nos frères, ils sont chers pour nous. Ils sont morts à cause de à cause de la patrie. Nous demandons à Dieu d'accueillir leur âme et nous présenter aussi nos condoléances à toutes leurs familles respectives. À donner naissance à une personne et que la personne est morte, ça choque. Donc peut-être on va venir nous tuer aussi, donc on est en train de penser beaucoup de choses. Mais il faut arrêter là-bas. On a nos parents qui sont morts là-bas et ça nous choque énormément. Ça m'a fait même verser les larmes. Les Boko Haram toujours viennent menacer, les combattre. Donc il faut que l'État aussi prenne une décision pour nos fils et nos parents qu'ils sont en train de perdre chaque année. En tant que citoyen, je déplore cela et je condamne fermement l'acte posé par les Boko Haram. Et je prie Dieu pour qu'il nous donne possibilité, moyens aux autres militaires pour éradiquer définitivement Boko Haram.